air. Salut à tous, c'est Rayek et bienvenue pour le nouvel épisode de Dragon Quest Builder. Alors là, on se retrouve bien sûr dans le monde Zarbi. Hein, voilà. Alors j'ai pas encore cherché, hein, je tournais les deux épisodes les uns derrière les autres. Je vais peut-être aller voir juste cette petite montagne pour voir s'il n'y a pas du charbon dedans. C'est jamais, hein. Un coup de bol. Ou si je vois une espèce de truc un peu bizarre. Ah, non. Il y a l'air d'avoir que de la corde ici. Il va falloir vite qu'on arrive à se faire de la bouffe. Il va falloir que je me fasse une pelle aussi. Pour pouvoir ramener au petit gluant la fleur qu'il veut. Oh là, il y a encore un petit truc qu'il faudrait peut-être purifier. Enfin, j'ai envie de m'amuser à les purifier, ces trucs-là. Ah, voilà. Et si je fais ça, c'est de l'eau pure ou pas? Ou c'est de l'eau tranquille? C'est de l'eau standard. Non, c'est de l'eau standard. Ok. Voilà, me fait agresser, au secours. Pardon, je plaisante. Alors, je vais essayer de... Oh, de toute façon, j'ai oublié de faire le tour. Je vais essayer de purifier cette chose-là. Et voir à l'inverse si vers l'intérieur, il y a... Ouais, donc, si je prends pas le bon truc, je vais pas y arriver. Est-ce qu'il y aurait... Non, il n'y a que dalle. Pardon, excusez-moi. Aïe. Voilà, je sens que la bouffe, ça va être dur. Mais je pense qu'il suffit d'aller voir l'autre et il nous en donne à bouffer. Non, pas de charbon. Ok. On va aller voir le monsieur par là-bas. Tu veux mourir, c'est ça? Allez, viens. Allez, viens. Non, mais je fonce dedans, moi. Ça va pas. Voilà. C'est bien, on va pouvoir mettre plein de squelettes autour. Non, ça, on peut les transformer en divers choses. On va récupérer la pierre qui est ici, hein, tant qu'à faire. Les arbres, de toute façon, on aura ce qu'il faut à côté. On va aller voir lui. Je pense qu'il va me donner à bouffer. Que la journée te soit clémente, Edrin. Je vois la façon dont tu t'étires avec entrain que tu as bien dormi. Après ton agitation et tes retournements incessants de la nuit, je craignais que ton sommeil ait été agité. Tu feras l'aise de constater que mes craintes étaient infondées. Eldrin, ma petite, je suis devin, mais je sais ce que tu es et quel est ton futur. Dans son infinie sagesse, Rubis t'a confié un devoir sacré. Et c'est ici, sur ce territoire maudit de Tatagel, que tu accompliras ton rôle de bâtisseuse. Eldrin, ton aventure touche bientôt à sa fin. Tu dois persévérer, mais cela ne durera plus guère. Et puisque nous parlons de cela, le moment est venu pour toi de faire usage de ce téléportail bleu. Je te demande d'aller fouiller les ruines du château, blablabla, toi le gars. Ramène la lumière dans cet endroit maudit et veille à ce qu'il soit reconstruit. L'eau sacrée que tu as créée te sera pour cela d'une aide précieuse. Répands-la autour de toi pour insuffler à nouveau la vie sur cette terre dévastée. Nous doutons que les fruits de ce processus de purification te fourniront des matériaux indispensables à ton œuvre de construction. Et si tu devais avoir besoin de secours, reviens me voir. La princesse et moi-même resterons là dans l'attente de nouvelles de ta réussite. Bah, il ne donne rien à bouffer, lui. Mon soutien, si c'est de la nourriture des brumes que tu cherches, je suis plus qu'heureux de la partager avec toi. Approche ma petite, ferme les yeux et il me redonne de la bouffe. Merci papy. Ah, qui fait, tu as présent parfaite. Je me demande, tu dois rendre la lumière à cet endroit, commencer par reconstruire. Non mais tu veux, c'est bon, non mais ça... Prends avec toi le tel afin de pouvoir réparer un plus grand nombre de fioles de cette substance inestimable au cours de tes... Voilà, la princesse va même attendre ici, de retour triomphal. Oui, je pourrais le prendre avec moi. Oh ! Remède, solution sanctifiée de composer cassant les malédictions, chasse les malédictions. D'accord. Alors pas pour le moment, parce que dans les dagues divines, c'est le truc qu'on lance. Poignard de jet d'argent imprégné de magie blanche, inflige des dégâts, paralyse des monstres morts-vivants. Quoi qu'on va peut-être s'en faire. Allez. C'est pas grave. Voilà, et on va finir toute l'eau pure pour tout faire. On ira en chercher s'il y a besoin, c'est pas grave. Je préfère le garder par là au cas où il soit cassé ou n'importe. Enfin voilà. Bien.
Alors, on a fouillé des morceaux de montagne. Là, on avait quelques trucs. Oh, ben là, il y a des... Oui, mais j'ai plus de place. Si, j'ai une place. Ouais, c'est du fer, malheureusement. Bon, ici, c'est la montagne au fer, hein. Mon dieu, mais il n'y a que ça. Je pense que le marteau va bientôt y passer. Non, n'importe quoi. Excusez-moi. Ok, je ne fais que passer. Je vais aller prendre un peu de pierre au passage. Parce que ça, on en a besoin de 10 de toute façon. La plante, on la récupérera plus tard. On va purifier un peu au passage. Ok. Là, il y a plein de trucs à purifier, donc c'est pas mal. Ça, on aura un arbre à côté. On va les déposer diverses choses là-dedans. Voilà, bon, l'eau, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Les dagues, on va la garder. Le pied de prunier, on va le garder de côté. Ça, on met de côté. On va tout trier. Et c'est parti, mon kiki. Dain, pour réparer tout ça, on aura pour un moment. Hein. Ouais, ouais. C'est le bordel, je vous le dis pas, moi. Qu'est-ce que... il me manque... Ah, on peut faire des boules de chaos. Alors, chaperon de pierre, d'accord. Boule de pierre. Oh, on va pouvoir faire des petits trucs sympas pour le château. Ça pourrait être marrant. On verra de toute façon. Alors, l'établi de maçon, le fourneau. Ouais, il me manque vraiment que le à trouver du charbon. La pelle, il faut quoi? Il me faut des lingots de fer, donc il me faudra absolument... pourquoi j'ai pas fait... Si, je me suis fait une épée de pierre, moi. Alors, je vais me refaire un maillet. Parce que je vais même en faire un deuxième. C'est bon. Il y a largement de quoi faire des maillets. Voilà. Le reste, on verra plus tard. C'est une erreur. Ah oui, d'accord, j'ai lancé une dague sans faire exprès. Équipement, l'épée équipée, la masse, on la vire. Donc dès que l'autre est à péter, on l'utilisera. Voilà, maintenant on va taper un tout petit chouïa plus fort. On va les regarder, on va en se dirigeant vers le sud. On va essayer de voir. Ici, il semblerait qu'il n'y ait pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose. Bon, bien le squelette. Allez, viens. Voilà, deux coups. Oh! Un village détruit. Voilà, c'est mieux avec l'épée en pierre. Hein. Ah! Oups! Oula! Ça a du point de vue, cette saloperie! Pardon. Il est où? Ça va être long, hein. Est-ce que le marteau, ça marche pas mieux? Non. Arrête de fuir! Voilà, reste bloqué. Ouh, mon dieu! Double critical dans ta tête, t'as aimé? Non mais... Alors, on récupère quoi? Tout ça pour 20 pierres. Pourquoi pas? Et si je purifie ici? Oh! Un barbecue! Cool! Bon, il reste plus qu'à trouver de la bouffe. Il faudrait que j'arrive à me faire une canne à pêche. Pour la canne à pêche, il faut quoi? Comme ça, j'aurais plus besoin d'aller demander à l'autre. Alors, on va buter du gluant. Bonjour, viens ici, gluant. Merci, meurs. Viens, viens, viens là, viens là. Oui, tu peux venir. C'est que, oui, c'est que c'est toi que je veux tuer. Lui aussi, là. Là, viens là. Bonjour, bonjour, tu veux mourir? Merci. Gluant, au revoir. On récupère du matos gluant. Ouais, l'autre, il va pas être très content qu'on bute ses potes, mais c'est pas grave. La canne à pêche, c'est quoi déjà ce qu'il faut? Je crois qu'il faut de la corde. Hein. J'ai un doute.
Alors, canne à pêche. Canne à pêche, il faut quoi? Il faut de la corne et il faut une grande corne. Ok, ça la corne, ça va pas être un problème. Ce que j'ai vu, je crois qu'il y en avait par là. Non, il y en avait près des... Il y en avait là-bas. Et la corne, il va falloir que j'aille en chercher. On va prendre ça au passage. Ça peut toujours servir. Toi, tu vas mourir. Merci. Toi, le squelette, tu vas mourir. Non, tu me touches pas. Alors, la corne, elle est là. Et on va pouvoir récupérer de la, corne. Enfin, de... On va pouvoir faire de la corne là-bas. Ah, pardon, je suis plein. Excusez-moi. Vidage. Tant qu'à faire. Bonjour. Bonjour. Bon, meurs. Merci. Toi, tu veux pas mourir là-bas? Ah merde, je croyais que je l'avais one shot. Pris l'habitude. C'est bien, on se fait pas attaquer de nuit par des espèces de machins là. Je pense que pour là, comme c'est un peu plus difficile que le reste, tu te fais pas attaquer. Ce qui est bien pratique quand même. Allez, on dépose tout ça. Voilà. Donc on va aller chercher de la corne. Et on va aller pêcher un petit chouïa pour se faire un peu de bouffe. Parce qu'on a trouvé un barbuck. Enfin, pas un barbuck, un tournebroche. C'était par là-bas. Là. Voilà. Voilà. Et là, on va pouvoir récupérer tranquillement un petit peu. Voilà, comme ça, ça va pouvoir faire de la corde. Ah, ça n'a pas touché jusqu'en haut, d'accord. Mais c'est bon, avec norme... Non. S'il te plaît, merci. Ça, ça a touché jusque-là, ok. Voilà, on récupère ça et on va pouvoir se faire de la corde. Et on va pouvoir se faire la canne à pêche. Donc ça, maintenant, on sera complètement indépendant et on pourra se faire tranquillou à bouffer en pêchant. Si on peut, si la bouffe est correcte. On va aller voir ça tout de suite. Et dès qu'on aura fait la canne à pêche avec tout ce qui va bien, eh ben après on sera un peu plus tranquille. J'ai bien envie de purifier par là, juste pour purifier un peu la zone. Voilà, ça purifie un peu plus. Là je pourrais même dormir si j'arrive à bien fermer le truc. On fera plus tard. Quoique je peux le faire, j'ai de la terre donc c'est bon. J'ai plein de terre, on va pouvoir fermer ça. Là. Là, on va fermer. Et là. Et là. Voilà. Et là, on va pouvoir dormir maintenant. S'il y a besoin. Alors. Nanana. Canette, pourquoi? Ah oui, il faut que je fasse de la corde. Corde. Montre-toi. Corde, reviens. Voilà. Ça m'en a pris 3. Et maintenant, on va pouvoir se faire notre petite canne à pêche. On va aller voir si on peut aller pêcher. Ce serait bien. Je regarde si j'ai pas d'autres trucs. Je peux faire du bois. Alors, on va transformer tout ça en bois. Et ça m'a rien débloqué pour le moment. Le lit, on s'en fout. Tout le reste, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout pour le moment. L'établi de maçon. Le tournebroche. On s'en fout de le faire parce qu'on en a trouvé un. Donc on va pas s'amuser à le faire. Massu, maillé. Oh, tenue de voyageur. Oui. Voilà, comme ça on sera un petit peu plus costaud. Bouclier en cuir, il me manque de la fourrure. Mais c'est pas un problème, on va aller buter du petit bonhomme. Alors hop, on équipe ça. Voilà, on va aller chercher le tournebroche. On va se le ramener un petit peu plus près, hein, tant qu'à faire. C'est moi ou il y a une espèce de truc bizarre là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais aller lire le panneau après. Je veux juste récupérer mon tournebroche. Bonjour. Nous voulons un petit tournebroche parce qu'on aurait faim. Bon, le coffre, on s'en fout pour le moment. Quoique, on va aller lire le panneau. On va aller buter le marteleur. C'est de l'eau? C'est... Ah ben non, c'est pas de l'eau. C'est bizarre, ça. Oups, pardon. Excuse-moi. Voilà, comme ça j'ai récupéré celui qui me manquait. Lire. Un message est écrit sur ce panneau. Suite à la malédiction de l'Ordragon, tous les trucs intéressants qui étaient dans le sol se sont retrouvés enfermés dans ces gros ballons de baudruche.
Si les humains n'arrivent pas à conjurer ce maléfice, jamais ils ne pourront reconstruire cet endroit. N'abandonnez pas humains, on sait tous que vous en êtes capables. Grosse bise des copains marteleurs. C'est n'importe quoi. Et si je fais ça... Ok, là on reste toujours avec... Ça c'est toujours du fer. Ce qui ne m'arrange pas, plus que ça. C'est toujours du fer. Je veux pas du fer, moi. Alors, je vais essayer de grimper au-dessus. On va essayer de grimper, on va voir. Bon, désolé les potes marteleurs, mais... hein. Ah, par là, je vais pas y arriver. Alors, on va faire comme ça. Et on va se faire un espèce d'escalier pour monter. Tranquille. Non, loupé. Reviens. Voilà, et bien sûr, je fais la grosse gamelle, hein. Boulet que je suis. Et si on transformait tout ça, vous allez vous transformer en quoi? Oh, du charbon. Pardon, excusez-moi. Allez, on va venir chercher ça après. On va aller vider l'inventaire et on va venir piller tout ça. C'est... Ok, c'est des grosses zones de d'items en fait. Oh, mais ça, ça donnerait pas de l'eau pure. Par pur hasard. On va le faire après. Vu que c'est une fontaine, si ça donne de l'eau pure, c'est nickel, Jérémy. Je vais aller chercher le truc et je le déplace par là. Oh, pardon. Rouvre-toi. Alors, on va déplacer tout ça, ça. J'ai pas... Si, j'ai fait ma canne à pêche. Le tourne-broche, on va pas tarder à le poser. On va le poser, peu importe. On s'en fout pour le moment, on va passer ici. Blam. Toi là-bas, est-ce que tu fais de l'eau pure? Par pur hasard. Eau pure. Ok, c'est bon. On a trouvé notre spot à eau pure juste à côté. C'est nickel. Là, les trucs rouges, je sais pas ce que c'est. Tiens, on va les buter les mains. Ouh, ça a l'air d'être costaud, cette saloperie. Ah ouais. Aïe. Bon. Après, ça peut se prendre du critique aussi. Hein. T'as de bouts de feu. Deuxième. Et troisième. Voilà. Alors, ça, on récupère. Tu veux m'agresser ou quoi, le marteleur? Non, parce que tu sais que tu fais pas le poids. Hein. Grosse bise, marteleur. Ok. Alors, c'est parti. La la la, et on va pouvoir se faire notre petit fourneau tranquillement. Ah bah, on récupère hein, le matos, hein, on va pas se gêner. Hein. Ah, cassé. Équipement. Bon, ça va, j'avais prévu. Na. Ah, j'arrive pas à casser ce qui est au milieu. Rien ne se passe. Ah, je peux pas casser ça. D'accord. Ça va être chiant à récupérer ce qui est en dessous. Bon, je pense qu'en fer, on est tranquille. Hein. Le charbon, maintenant, ça devrait aller déjà. On va pouvoir se faire 2-3 petits trucs. Allez, hop, on redescend. On va essayer de pas se faire mal. On va aller tester la pêche. Non, je vais d'abord aller faire le fourneau. Ce sera plus pratique. Ça, il sera déjà fait. On va le poser dans un coin, puis on va voir si on peut pas se faire un petit peu d'équipement un peu plus badass pour après aller chercher l'étendard. Mais quand même, il faut se faire un petit peu de bouffe au passage. Alors, on va poser notre fourneau, peu importe, hein, de toute façon, blam, voilà. Bonjour, je voudrais des lingots de fer, s'il te plaît, merci. Non, pas tous. Non. Non, parce que je voudrais quand même sauvegarder un petit peu mon charbon. Je vais en faire encore deux fois. Ouais. Comme ça. Parce que le charbon, j'en ai pas grand beaucoup, mais j'ai vu un autre truc un peu comme ça de l'autre côté là. Par là-bas. Il y en a un pareil là. On le voit là. Vous le voyez, je le mets dans le. Dans l'espèce de V là du mur. On le voit. Donc à mon avis, ça doit nous en donner aussi. Alors, lingot d'acier, on verra peut-être plus tard. Quoique.
Une armure de plate, il faut quoi? Lingot d'acier, fourrure douce, que j'ai pas. Bouclier de fer. Ça, et bouclier d'acier, faire une. Voilà, on va se faire l'épée large en acier. Bon, on va se faire des lingots d'acier, hein. Direct. Hein. Voilà. Avec ces lingots d'acier, on va pouvoir se faire l'épée large en acier. Voilà, on va pouvoir les défoncer un petit peu. Et on va pouvoir se faire un petit bouclier en acier. Hein. On va s'emmerder aussi. Voilà, petit bouclier en acier. On va se faire juste l'armure de fer parce que l'armure de plate, on n'a pas ce qu'il faut. Voilà, et comme ça, on pourra aller tranquillement vers le sud après. Ok, donc on regarde un petit peu tout ce qu'on peut faire. Ok, 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 ok. Allez, on va déposer tout ça. On va aller choper un petit peu de charbon plus tard. On va trier tout ça, voilà. Tranquille. On va aller s'équiper de tout ce qu'on peut, hein. Tant qu'à faire. Hein, un petit bouclier badass, une petite, voilà. La petite masse de la mort qui tue et la nouvelle épée qui va dépoter. On va enlever celle-là en attendant. Voilà. Bonjour, on est un petit peu plus costaud. Maintenant, on va pouvoir les bourriner. Mais on va essayer d'aller pêcher, si possible. Si on peut, si on récupère quelque chose de bon, sinon on aura au niveau de l'eau pure. Alors, bonjour. Ce serait pour du poisson, s'il vous plaît. Ah, je vais me faire attaquer, zut. Pardon? Excuse-moi. Voilà, one shot, bonjour, au revoir. Ce n'était qu'une petite visite rapide. Bon, l'eau a pas l'air d'être pourrie. Mais je vois pas mon curseur. Ok. Alors j'ai entendu au bruit, hein. Je l'ai pas vu au curseur. Ça y est, je vois le curseur là. Poisson, s'il vous plaît. Non, je voudrais attraper autre chose que des branches. La chaussure, le prochain. Petite chaussure. Ah non, en fait, on récupère que des branches cassées. C'est pas mal. Ça va vachement servir pour la suite de l'aventure. Ah ouais, non, j'ai récupéré 4 sur 4. On va essayer dans le dans le bassin d'eau pure, faut jamais. Sinon, ça veut dire que pour la bouffe, il va falloir aller voir l'autre à chaque fois. Ça va être moyen. Hein. Ou alors, il va falloir vite trouver de la patate. Et là, si je pêche. Voilà. Je pêche dans de l'eau pure. Tiens, j'ai attrapé une grenouille. Je peux faire des grenouilles grises. Bonjour. Alors, pêcher dans l'eau pure, c'est bien. Oh Dieu, n'importe quoi. Quand tu veux. Ok, alors dans cet épisode, on va bouffer de la grenouille. Je m'en pêche 5, je les fais cuire, si je peux. Je pourrais avoir autre chose que de la grenouille, s'il te plaît. Non, ce serait bien, quoi. Allez. Allez, voilà. Si, il faudrait que je fasse aussi mon coffre colossal. Ça, ce serait déjà bien. Ça éviterait de faire 50 millions d'allers-retours aussi. Ah, copain, un gluant de métal. Viens ici, le gluant de métal, que je te défonce la gueule. Non, reviens ici. Reviens ici. Ne te barre pas et tu vas mourir. Non, reviens. Reviens, Léon. Reviens. Il se déplace à une vitesse, enfoiré. Vite, 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 avant que je le paume. Ah ouais, en plus il y va la boule de feu, tiens. Non mais toi, fallait pas venir là. Enfin, là c'est là ça craint là, c'est dans l'eau. Voilà, mesure de fluide argenté. Saloperie quoi. Oula, les points de vie sont un peu bas, mais bon ça va, on a ce qu'il faut. Allez, je vais pêcher encore, quoique. Avec 4 ça devrait suffire déjà. Je vais voir si je peux les. Oh mais en plus il n'y a même pas besoin de charbon, ça c'est nickel. Voilà, on a la grenouille grillée, ça va aider, voilà, je vais repêcher une ou deux, tant qu'à faire, allez, hop,
Donne-moi de la grenouille, s'il te plaît. Après, on se récupère du gluant de métal, c'est pas mal. Ça commence à faire nuit. Ah non, non, je veux autre chose que de la branche, s'il te plaît. Prochain, c'est une chaussure, c'est ça? Une grenouille, allez, encore une, comme ça j'en aurai 5. Voilà. C'est bien, en fait, on a un spot pour faire de tout ce qu'il faut, en fait. On a tout à portée, quasiment. Allez, je vais aller pioter, rapidos. Comme ça, on ira de jour, aller taper au sud. Pour vous, il fera jour, ce sera mieux. Vous verrez mieux pour la vidéo. Moi. Allez, hop, on va déposer tout ce qu'on n'a pas besoin. On peut le laisser là. Non, j'avais dit le coffre colossal. Ça, s'il faut que je regarde ce qu'il manque. Il ne doit pas me manquer grand-chose. Je dois avoir ce qu'il faut, parce qu'il faut du bois. Et ça, on n'aura pas le problème. Le coffre colossal, montre-toi. Coffre colossal. Il manque quoi? Il manque deux fourrures, du bois. Bon, la jarre, ça c'est bon. La fourrure, faut que je trouve des marteleurs. Les marteleurs. On va aller voir par là-bas. Parce que là, ils me disent d'aller vers le sud, mais j'ai vu que c'était de l'eau. Donc c'est bizarre. Ah, c'est là-bas. Allez, comment j'y vais sur ce truc-là, moi? Ah, vous avez vu, il y a la même chose là de ce côté-là. Et comment je fais pour aller là-bas en face, moi? Parce que je pense que c'est là, c'est le château où il faut aller. Bon, faut faire un tour de malade. Donc, coffre colossal, il faut trouver du marteleur. Et après, je fais le coffre colossal, comme ça on sera tranquille pour la suite de l'aventure. Hein, on aura tout à porter. Je crois qu'il faut faire. Ouais, il faut faire un grand tour en fait. Quoique, même pas. Allô, les marteleurs. Vous êtes où? Bon, je sais qu'il y en a un là-bas, mais. Là, voilà. Excuse-moi les potes de vous buter, mais j'ai besoin de votre fourrure. Donc désolé. Oula. Reviens. Voilà. Il m'en faut encore deux. Enfin encore une plutôt. Là. Et le truc au sol là? Non. Si je fais ça, ça transforme en quoi? D'accord, c'est en terre. Ok, ça c'est bon. Il faudrait que je récupère. C'était quoi? Le bois, c'est ok. Faut que je transforme les trucs en bois. Et c'est quoi ce squelette de malade là? Ah, c'est un squelette niveau supérieur celui-là, c'est pas possible. Alors normalement... Voilà, parfait. On va récupérer le bois qui va nous manquer. Ah, ils sont plus costauds ceux-là, quoi. Oh, what? Oula, mon dieu, il m'a fait mal. What? Ils attaquent deux fois, ces enfoirés. Excusez-moi, je reviens. Ah, je serais mort une, moi, une fois dans celui-là. Eldrid, ton heure n'est pas encore venue de quitter la tombe. Ce que tu as perdu peut être récupéré là où tu as péri. Viens, mon enfant, relève-toi. Alors, déjà, le truc qu'on va faire. Bonjour. Je voudrais récupérer ça, merci. On va récupérer ça. Voilà. Et go. On tourne là-bas. On va aller se venger de ce squelette de malade. Putain, je serais mort une fois, je suis deg. Je voulais pas mourir. Non, c'est pas grave. Ce n'est pas très 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 grave. Tiens, on va faire ici, hop. On va faire pousser un petit peu des... Voilà, on va pouvoir récupérer l'arbre. Pour en replanter plus tard. Dès qu'on aura retrouvé le... Bon, celui-là, il est trop petit. On va pas le tuer. On verra plus tard. Je vais déposer tout ça ici en attendant.
Voilà, on va poser ça dans le coin. Bonjour, voilà. T'inquiète, je viendrai te fabriquer plus tard. Et on va aller se venger du squelette de malade. Non mais c'est quoi ces squelettes de psycho quoi? Tiens, là ça va pouvoir faire un arbre. Mais j'ai oublié de récupérer la jarre. Zut. Allez, viens le squelette. Cette fois-ci, une fois, deux fois, non? Voilà, saloperie. Là. Hop, on récupère tout ce qu'on a perdu. Niveau arbre, je vais m'en faire encore un. Tant qu'à faire. Ah, il est tout petit, zut. Voilà. La jarre, on va aller faire l'aller-retour. Malheureusement, je l'ai oublié. C'est pas grave. Bon, si à un moment, ça pouvait tout transformer, on soit pas obligé de le faire à la main, ce serait cool. Sinon, ça va être long. Long de tout transformer. Je suis en train de regarder. Non, je veux pas le dire. Ah non, sérieux. Oui, c'est bon, on a déjà lu la dernière fois. Voilà. Je vais le péter, ce livre, pour éviter. Donc, il me faut du bois, il m'en fallait 8, et il me manque plus qu'une jarre. Et un, voilà. On m'a compris. Bois. Transforme-moi tout ça en bois. Voilà. Après, on va se faire coffre colossal. Voilà. Maintenant, avec ça, on va être un petit peu plus tranquille. On va le caler ici en attendant. Voilà. Donc maintenant, j'ai accès au coffre. C'est cool. Ça va être plus pratique. Je vais juste récupérer les deux petits orbes. Qui, eux, je vais foutre dans le coffre colossal en attendant. Tac, tac. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Après, voilà, casser le livre. Non, c'est pas ce que je voudrais pas qu'il m'emmerde plus que ça, quoi. Alors, ranger, ranger, voilà. Comme ça, ça m'évitera de relire. Bon, donc il avait dit qu'il y avait quelque chose vers le sud. Déjà en bouffe, je suis déjà mal, quoi. Ça part trop vite la bouffe, c'est horrible. Allez, c'est parti. On va essayer de voir si on peut aller vers le sud. Alors, est-ce qu'il faut faire un grand tour? On va mater un peu la carte, mais j'ai pas l'impression, là. Attends, là, il y a encore un truc à transformer. Ok, à mon avis, c'est des plans, des points de ressources, en fait. Alors, ils disent vers le sud. Alors, ah, quoique non, il y en a une deuxième forteresse, alors. Ah ouais, ok. Donc ça, c'est autre chose. Oh, des champipi! Sa première vénénite. Et si je les transforme en vrai champignon, c'est quand même mieux, ça fera de la bouffe. Mais c'est bien d'avoir de la vénénite. Et on va transformer cela aussi. Tant qu'à faire. Comme ça, on se fera de la bouffe en rentrant. Il manquera plus des trucs que me faire des trucs pour TP. Ce serait pas mal. On va faire cela aussi. Voilà. C'est énorme leur système, j'aime bien. C'est très sympa. Alors, le château a l'air d'être là. On va aller lire. Hein. Parce que si on peut récupérer l'étendard, ce serait quand même pas mal. Alors, qui va là? Tu es humaine? Peut-être pas. Tu ne sens pas comme les autres. Peu importe, tu veux quoi? Tu viens reprendre l'étendard de l'espoir? Tu es drôle. Si tu tiens la vie, reste pas là, sinon approche. Nouveau château de Tintagel, défense d'approcher. énorme. On peut rentrer? Bonjour.
C'est moi où il y a plein de... Allez, un petit boss pour commencer. Trésor, s'il vous plaît, aussi. Bon, des bras zéro à plus quoi en faire. Battez les monstres, il y en a 11. Ok. Bon, viens des squelettes. Alors, ils ont, ça a l'air d'être des squelettes costauds, ceux-là. Ouais, c'est ça. Il va falloir que je fasse gaffe. Voilà, ils attaquent deux fois. Ok, lui, il s'est pris son petit critique qui va bien. Non, il va pas se soigner, quand même. Si, il se soigne, l'enfoiré. Saloperie. Ces squelettes sont horribles. Alors, on va essayer de les prendre un par un. Hein. Éviter de se les taper deux en même temps. Voilà. Le petit coffre qui va bien. Bonjour. Oh, cool. Un peu de fer. C'est pas plus mal. Petite porte ici. Putain, ils se sont amusés à faire un château complet. C'est énorme. Oh, petit coffre. Bonjour. Tu me donnes quoi? Non, bah un banc. On s'en fout, ça. Sérieux. Comme si on avait besoin d'un banc maintenant. Alors, petit coffre. Non. Ok, allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Je viens tuer du squelette, s'il vous plaît. Montrez-vous. Là, j'en vois un, là. Ah, j'en vois deux. Ouh, il y en a un, c'est pas un squelette. Hein. Ok, c'est pas un squelette du tout. Aïe. Ah, ok. Bonjour. Tu as l'air d'être costaud, toi. Bon, t'arrives pas à passer tellement t'es débile, mais c'est pas grave. Ah. Allez, ce sera plus facile le combat ici. Voilà, tape le coffre, c'est bien. Merci, tu fais le boulot pour moi. Voilà, et on récupère ça. C'est bien, on va pouvoir récupérer plein de trucs. On va d'abord s'occuper peut-être de l'autre qu'on voit ici. C'est bien, j'ai récupéré une porte. Bonjour. Bonjour, tu veux te battre? Voilà, saloperie, va. 1, 2. Et voilà. C'est parti. Est-ce qu'il y a un copain de ce côté? Non, c'était la même porte. On va aller vérifier ce qu'il y a ici. Waouh. Oh, le château est énorme. J'adore. Oh, le château qu'ils ont fait, c'est vraiment excellent. On fait le tour, hein, on sait jamais, il y a peut-être un petit trésor par derrière. Bien planqué. Sadique comme ils sont. Il semblerait qu'il y ait une porte par ici. Il reste 5 monstres à buter. Donc ok, non, on a fait le tour. Donc c'est à l'étage. Bonjour. Moins qu'il y ait des trucs par là. Non, ça c'est les escaliers. Petit coffre, pas de petit coffre, juste un espèce de cadavre zarbi. Allez, c'est parti. Ouais, je commence à avoir faim, pardon. Voilà, allez, encore un petit coup. Voilà, de toute façon, on a récupéré des champs pipi. Oula, mon dieu, deux à la fois. Bande de psychopathes. Bande de psychopathes. Et j'ai... Attends, il y en a qu'un qui m'a vu. Quoi? Tu sais que t'es un gros con, que t'es bloqué en haut, là? Voilà, merci. Qu'est-ce que... Voilà, et maintenant on va pouvoir s'occuper du deuxième, tranquille. Allez. Ouh, le bon 43 dans ses dents. Et voilà, et tu vas mourir. Voilà. Ah, ça a toujours pas libéré ici. Alors... Ça, ça fera des super défenses pour plus tard. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? On voit rien. On continue à monter. Est-ce qu'il reste des ennemis? Oui. J'en vois un. Il en reste trois. Ok. J'arrive. Je voudrais mon épée. Putain, si j'ai les trois en même temps, ça va être chaud.
Ah, ça va. Oh, pièce de soie. Bonjour, je... prends ton temps, excuse-moi le monstre. Je suis en train de deviner un truc. Bannière colorée. Une grande bannière colorée. Et c'est bon. Je vais aller tuer juste ton copain et j'arrive. Voilà. Tu veux taper? Voilà. Aïe. Allez. Allez. Oula. Waouh. Ouf. Ah, je crois qu'il fuit. Tu fuis? C'est ça? Tu as peur? Tu as peur de ma puissance? Aïe. on va le bouffer, hein, on va monter. Allez, tu es bientôt mort. Tu vas mourir, sale créature. Et oui. Et normalement, on doit pouvoir récupérer l'étendard. C'est con, en fait, d'aller reconstruire un château alors qu'on en a un superbe ici. Enfin, je dis ça, mais bon. Alors ça, c'est le truc dangereux pour crever, quoi. Allez, hop, on redescend. Putain, le temps qu'ils ont dû passer à construire ça. Non, c'est pas la sortie. Non. Il va y avoir une porte... Bah, on peut pas y aller, non? Allô? Ah non, c'est pas par là que j'étais arrivé. Ah, on va essayer l'autre porte. Il doit y avoir qu'un chemin, c'est pas possible. Je voudrais aller récupérer les deux coffres, s'il vous plaît. J'ai failli crever. Voilà. Et normalement, il devrait avoir l'étendard dans un des deux. Ah ben, on a des super bottes et l'étendard doit être dans celui-là. Bingo! Bravo l'enfant, tu as récupéré l'étendard de l'espoir. Tu dois retourner au château de Tintagel et le planter au centre des ruines. Alors seulement la renaissance de Tintagel pourra commencer pour de bon et ton devoir sacré être enfin pleinement accompli. Allez, c'est parti, on va aller le poser et ce sera fortement la fin de l'épisode. À moins qu'il y ait un retournement de situation. Et qu'il y ait quelque chose qui nous fait... Eh ben non, tu le feras pas. Mais sinon, il y aura plein de trucs à piller ici, si on peut. On peut? Ah ouais, on peut. Bonjour. Et ça, je peux? Non, je peux pas. Et avec celui-là? Non plus. Donc il faudra un cran au-dessus. C'est pas grave. Ah, excuse-moi le marteleur. Ouais. On va récupérer, ça peut toujours servir. Il y a de la bouffe là-bas, mais c'est bon. J'ai récupéré 7 champipi, ça devrait être bon. Et si les autres y viennent de toute façon à la ville, je vais faire une salle spéciale pour la bouffe. Donc ça devrait être tranquille. On va récupérer les arbres au passage. Voilà. Tant qu'à faire. Comme ça on pourra les replanter à côté, on aura du bois infini. Ce sera plus tranquille. Tu en récupères. Ah mais c'est des haricots, non? Ça va faire de la bouffe ça aussi. Si je m'abuse. Ça, pour se faire du soin. Bim. Voilà. La petite transformation ici. Loum. Voilà, comme ça on va pouvoir se faire des plantes médicinales. Ça pourra que servir. Ça sinon c'était pour faire des lits, ça je crois. Je crois que j'ai un doute. On pourra se faire voilà, plein de plantes médicinales pour la suite. Bon, très marrant ce fonctionnement là, comme ils ont fait. J'adore, j'aime bien. Allez, c'est parti. On va aller planter l'étendard et je pense que les deux autres vont arriver. Ils vont être super contents. Alors, il faudrait d'abord aller le récupérer dans le... Voilà, donc on va poser ça là-dedans. Là, là. Je pense que champignons empoisonnés, on va éviter. Non, si je récupère pas l'étendard, ça va pas le faire. Voilà. Bonjour. Ce serait pour planter un étendard. C'est ici? Est-ce que ça va transformer la zone? Non. Il va falloir qu'on le fasse à la main. Une lumière douce et apaisante se répand alentour. Eldrin, mon enfant, tu as bien agi, ces ruines te serviront désormais de base d'où tu partiras pour ton ultime mission. Seul le pouvoir dont tu disposes, celui de créer, permettra que soit accompli ton devoir sacré.
La première partie de ce devoir est de superviser la reconstruction du château de Tintagel afin qu'il serve de refuge à l'humanité. La seconde et dernière partie, la voici. Construis à nouveau les armes et armures légendaires qui furent perdues dans les ténèbres il y a si longtemps et le cristal sacré nécessaire pour rejoindre le château de Lord Dragon. Rends à cette terre l'aspect qu'elle avait avant que Lord Dragon ne fasse peser sur elle sa malédiction. Une fois que tu auras accompli cette mission, la renaissance du monde sera achevée et Elfgard sera définitivement sauvée. Cependant Eldrin, je dois t'avertir une nouvelle fois, tu n'es pas l'héroïne destinée à vaincre Lord Dragon, n'oublie pas cela. Et souviens-toi mon enfant, que je veille toujours sur toi. Ok, il nous le dit un peu souvent ça, alors les autres ils arrivent, ça y est. Oui, oui, ils sont tout contents, oui, oui. Oh ben on a un nouveau en plus au passage. Allez, on va discuter avec la petite princesse. Par les cieux, quelle lumière chaude et accueillante, je suis enfin rentré chez moi. Je te remercie Eldrin d'avoir ramené la lumière dans ces ruines. Ici, nous rebâtirons la grande cité de Tintagel, capitale de tout Elfgard. Tel est le devoir sacré qui t'a été confié par la toute-puissante Rubis, n'est-ce pas? Dans ce cas, je t'aiderai, je ne suis certes pas une bâtisseuse, mais je déborde d'idées lumineuses. ça va donner. Tiens Eldrin, je t'en prie, accepte ce gage de notre camaraderie, je suis sûr que cela te sera utile dans tes efforts. Une bague de choc. C'est vrai que j'ai oublié d'équiper le... Alors on va faire le... Bon bah de toute façon on a encore de quoi faire un petit peu. Par mon crâne! Quelle est cette sorcellerie? Jamais encore mes yeux n'avaient rencontré une telle luminosité. Comparée à cela, la plus lumineuse des torches n'est qu'une braise rougeoyante et pourtant cette lumière est si apaisante. Elle est d'une telle pureté et d'une telle perfection que même les nuées qui embrumaient mon cerveau depuis si longtemps commencent à se dissiper. Maintenant que ma vision est de nouveau claire, je vais pouvoir voir dans ton avenir et te conseiller sur le chemin à suivre pour atteindre tes objectifs. Mais merci Eldrin, en vérité, cela valait la peine d'attendre ton arrivée. Mais l'attente est enfin terminée, viens, rends droit, ce château, sa gloire passée. Une fois que cela sera fait, il ne restera plus qu'à recréer l'équipement légendaire nécessaire pour abattre Lord Dragon. Quand nous y serons parvenus, la prophétie sera réalisée et ton devoir sacré en tant que bâtisseuse d'Elfgard sera accompli. Allez, le nouveau, un petit nouveau. Quelle est cette lumière? Et qui est par la déesse? C'est la princesse, sa majesté nous est revenue. Mais, et toi, demoiselle, n'es-tu pas un peu trop désinvolte en la présence de tes aînés et de tes supérieurs? Comment? Tu es la bâtisseuse, celle qui possède le pouvoir tout-puissant de la création? Mille pardons, madame, j'étais pétrifié par la malédiction de Lord Dragon et je n'ai été délivré qu'il y a fort peu de temps. J'ignorais tout de ta venue. Si je comprends bien, ton rôle de bâtisseuse n'est pas celui d'un guerrier, mais plutôt celui d'un charpentier ou d'une sorte de forgeron. Il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Si quelqu'un doté d'aussi peu de force musculaire que toi avait pour destin d'affronter Lord Dragon, tout espoir serait perdu. On a des haltères quand même à côté. Hein. Je suis Guilhem, garde royal de Tintagel. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Mais attends une seconde, si ce n'est pas toi qui es destiné à affronter Lord Dragon, alors serait-ce moi? Rubis me préserve. Je pense que c'est peut-être pas toi. Alors, première chose... Je vais pas continuer tout de suite l'aventure, je vais... Voilà. Bonjour, je vais refermer un tout petit peu le château, tranquillou. Voilà, tranquille, hein. Voilà, on essaye de faire un petit château un peu fermé déjà. Je vais sûrement pas avoir assez de... ce qu'il faut, mais c'est pas grave. De toute façon, on va essayer, là, dans cette aventure, de toute façon, il faut reconstruire le château, hein, de toute manière, de ce que j'ai compris. Voilà. Donc déjà, on essaye de se sécure un tout petit chouïa. Tranquille, on va se faire... De toute façon, on va voir, hein, par rapport aux quêtes qu'ils vont nous donner. On aura sûrement plein de petites choses à faire. Ça, de toute façon, je le transformerai en pierre, là, comme ça. De toute manière, j'essaierai de refaire un peu la même chose. Oula! Ok, donc c'est à dire que la porte c'est ici. Donc il faudra faire une grande porte. Allez, pour le moment on suit la construction, hein, on va pas s'ennuyer plus. Comme ça on se laissera des endroits, par exemple ça. Hop, je le prends et je vais le caler plutôt à l'intérieur. Voilà, et on fera des salles un peu spécifiques plus tard. Je vais aller récupérer la terre
que j'avais laissé par là-bas, tant qu'à faire. Et on se fera un château de la mort de Dieu de feu. Tranquille. Toi, tu meurs. Voilà. Putain, tes copains sont plus chiants, hein. Toi, tu es nul. Voilà, on récupère plein de terre. On va pouvoir essayer déjà de refermer en partie le château. De toute façon, je vais faire ça jusqu'à la fin de l'épisode, tranquillou. Comme ça, ce ne sera plus à refaire. Après, il restera plus qu'à essayer de trouver des... Aïe. Ah, j'avais fait un trou. D'accord, je ne me souvenais plus. C'est pas grave. C'est pas la première. Ah, tiens, ça me fait penser que... Voilà. Alors, attaque plus 5. Et bot a tout à fait permettant de rester au choc brutaux. Oui, ça va aider parce que j'arrête pas de me de tomber comme un boulet. Allez, on a 80 morceaux de terre. Déjà, on va pouvoir fermer une bonne partie du château. Alors, j'ai peur de la suite. Ok, donc ils avaient prévu... Il y a déjà des dessins de pièces, en fait. Si on regarde bien, il y a déjà des trucs, on va dire, prédéfinis. Allez, on va déjà se protéger fortement. Voilà. Déjà, on a fermé le château, tranquille. Enfin, presque, parce qu'il manquerait une porte ici. Une grande porte. Est-ce que on peut faire une grande porte? Porte en bois, chaperon de pierre, établi de maçon, fourneau. Donc il y aura le barbecue à faire plus tard. Oh, je peux faire une pelle maintenant, c'est vrai. Ça, on en aura besoin pour une des petites quêtes. Après, le reste, on s'en fout. Et le fourneau est ici. Bonjour. Est-ce que tu sais faire une grande porte? Porte d'acier. Il faut 6 lingots d'acier et de la teinture magique. Alors ça, les lingots d'acier, c'est pas un problème. Bon, j'ai plus de charbon, mais je sais, à mon avis, où en chercher. Et il me faut la teinture magique. Donc, la teinture magique, c'est ici. Et il faut quoi? Il faut... Ah, il faut du charbon, malheureusement. Bon, on peut se faire de la vénénite rôtie. Oh. Ça... D'accord. Et des brochettes de champi. On va se faire des brochettes de champi. Voilà, comme ça, je suis tranquille pour la bouffe. Pendant un certain temps. Voilà. Et là, je suis empoisonné. Non, ça va. On se fait la grenouille. Alors, on va aller voir si mes réflexions étaient bonnes. On va essayer de voir le truc là-bas, là. Et puis, j'arrête l'épisode juste après. Voir si ça me donne du charbon. Ça ressemble, hein, tous ces trucs-là ont l'air de donner la possibilité de récupérer un max de matos. Alors, est-ce que le squelette, c'est un squelette violent? Ah, c'est ça. En fait, il y a quasiment tous les trucs sont dans des espèces de blocs. Alors. C'est un squelette qu'on one-shot. Ok. Ce n'est pas un problème. Alors, bonjour, je monte. Je ne fais que passer. Alors. Tada! Ça n'a pas fait au-dessus. Alors, on va faire comme on avait fait la dernière fois. Alors, maintenant qu'on a trouvé le... Ce qui est agréable, là, c'est que c'est de nuit et on se fait pas agresser. Pour le moment, hein. Donc, c'est quand même vachement agréable. Alors, zut, c'est que de l'acier. Enfin, du fer. C'est que du fer, malheureusement. Zut. Moi, je veux du charbon, moi. Moi, ça m'intéresse pas, votre truc, là. Ça, j'en ai déjà 3 tonnes. J'en ai déjà 3 tonnes, donc il m'intéresse pas. Alors, on va quand même looter un petit peu, voilà. Hop là, voilà. On va essayer de pas se casser la gueule et mourir comme un gland. On est déjà mort une fois. Quelle honte! Je suis mort! Donc il faudra en trouver d'autres, des comme ça. Là-bas, il y a le château. Vu que j'ai la pelle. Vu que j'ai la pelle. On va l'équiper. Déjà. Là. Et...
C'est une erreur, c'est pas grave. Et pour finir, on va aller voir le petit gluant. Et on va lui donner ça. Tant qu'à faire. Est-ce que je peux récolter? Non. Là. Ah, j'ai rien dit. Ça y est, on se fait bourriner. Ils sont de retour. Et pas tout seul en plus. Aïe. Je me casse, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. Je me casse. Donc on va aller donner la petite fleur au gluant. Parce que c'est ça qu'il voulait. En plus, il y en avait plein là. Allez, c'est parti. Zou. Au revoir. Tu ne fais que passer. Alors, j'avais fait où ma montée là? Ah ouais, non, mais c'est que ça va devenir agressif là. Alors, bon, c'est pas grave. Là. On va aller dire bonjour au petit gluant, tranquille. Bonjour gluant. Loupé. Bon, ça va, j'ai pas pris trop mal. Mais j'ai loupé, quand même. Bonjour, je ne sais pas viser, je ne vois pas les... Ah, c'est là. Ah, saloperie. Excuse-moi. Non, tu m'emmerdes. Non, mais sérieux de plante à deux balles. Tu... Oh, nom de Dieu. T'as la plante qui m'emmerde, là. Toute pourrie. Ouais, à chaque fois. Juste à côté. Voilà. 25 heures plus tard. Alors, tiens, gluant. Oh, que c'est joli. Slurp. C'est super. Les pétales sont si blancs et les feuilles si vertes. Cette fleur est très, 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 très belle. J'imagine à quel point le monde devait être magnifique quand il était couvert. Soupir. Obtient un souvenir vague. Qu'est-ce que c'est ça? Soupir, j'aimerais que ce monde redevienne comme avant. Slurp. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je peux rien en faire pour le moment. À mon avis, c'est peut-être plus tard alors. Ok, allez, je retourne. Bah, c'était par là que j'avais fait mes trucs, d'accord. Bonjour. Bonjour, je descends. Bonjour. Voilà. Bon, ça va, j'ai pas pris cher. Je vous renvoie, je suis mort. Ok, bah, je retourne tranquillou au château. Et puis, bah oui, bah, je regarde, oui, ça va être la fin de l'épisode. Là. Il y aura la suite bientôt, vous inquiétez pas. J'ai hâte de continuer l'aventure et de tester le mode libre, ça je vous le dis. Je ne l'ai toujours pas testé, hein. J'attends de faire le premier épisode... après avoir fini l'aventure, pour avoir récupéré le maximum de choses. Et sinon, je suis toujours emmerdé parce que j'ai pas de charbon, mais c'est pas grave, on verra ça au prochain épisode. Allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne Facebook, Twitter, GrooveSteam et Twitch, le petit pouce up si vous avez aimé l'épisode. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Dragon Quest Builder. Allez, bye bye. Motherfucking drop.